Mesdames et messieurs, filles et garçons, bienvenue à cette soirée LCE de Hearthstone. Je m'appelle Ragoc François Lapierre et je suis accompagné ce soir de Charles Darath. Darath, bonsoir. Bonsoir François et je suis heureux, qu'on se revoie pour une deuxième semaine. C'est ma deuxième semaine en tant que commentateur de Hearthstone. Et donc, on est dans le tournoi de la LCE de Hearthstone pour les mardis soirs. Le tournoi se déroule en Conquest Best of Three, hein, le premier qui gagne deux matchs. Et les deux parties de la soirée, en deuxième partie, on aura Trifleur contre Delta. Mais cette première partie, dont une partie a déjà été jouée, qu'on vous parlera dans quelques instants, opposera RPG Pro Gaming du CFP des Riverains contre Lucifern Dawn du collège de Shawinigan. Donc, un match déjà a été entamé. Hein. On a commencé quelques minutes plus tard. La première manche a terminé. Ça a été un match. Le guerrier de Lucifer, qui avait quand même l'avantage au début, qui avait l'air d'avoir mis RPG dans la défensive, a fini par tomber. Eh oui, et ce qui va être intéressant ce soir, ça, c'est deux joueurs qui ont des collections qui sont loin d'être complètes, qui vont vraiment beaucoup avec les cartes d'un petit peu plus de base. Et c'est intéressant justement que ces deux joueurs s'affrontent ce soir, car on aura quelque chose d'un petit peu plus irrégulier dans les match-ups. On verra donc pour le deuxième match. Justement, peut-être rapidement, avant de commencer ce deuxième match, on peut regarder un petit peu le line-up, ce que les joueurs ont apporté ce soir, si tu veux bien. Tu disais que les joueurs ont des decks pas tant complets, mais ça vaut surtout pour Lucifer qui semble presque avoir les decks de base. Mais si tu regardes les decks de RPG, même celui qu'il avait avant, le Fireball Combo, là, que je surnommais, parce qu'il y avait beaucoup de sorts de Fireball, de boules de feu rapides, des boules de feu partout, des boules de feu grâce à l'esprit du dragon. Et là, on va voir, par exemple, son deck de voleur a quelques wildcards, Par exemple, comme d'habitude, on voit pas beaucoup de wildcards, même s'ils ont été acceptés. Mm-hmm. Oui, parce que pour ceux qui, justement, peut-être moins au courant pour Hearthstone, on a exceptionnellement, pour un temps limité, pris des certaines cartes qui étaient dans le Wild. On a décidé de les ramener dans le standard. Et donc, évidemment, le tournoi va permettre aux joueurs de l'apporter. Donc, ça vaut la peine de les mettre dans son deck. Car c'est des cartes qui sont gratuites et aussi qui ont beaucoup de pouvoir, là, qui sont quand même très fortes. On va lancer la partie. Donc, je dis, je sais pas si on m'entend de l'autre côté, on va envoyer le OK pour la deuxième partie. Donc, je vous rappelle que vous écoutez la Ligue Cyber Espoir. Ce soir, c'est Hearthstone sur un tournoi, donc Conquest, le premier qui... C'est un 2-3, hein, dans le fond, entre ce soir pour cette première partie, RPG Pro Gaming du CFP des Riverains contre Lucifer Dawn du collège de Shawinigan. Le match va prendre un petit peu de temps à charger, mais on devrait être capable de le voir assez rapidement. Et donc, cette fois, le choix de RPG Pro Gaming, qui avait gagné avec son mage précédemment, donc ne peut pas évidemment rejouer avec, a décidé cette fois d'amener son Rogue, qui, lui, est un petit peu moins justement baissé, qui a des cartes qui sont un petit peu plus puissantes, qui devraient bien faire dans ce match-up-là. Ici, ça va être compliqué peut-être pour Lucifer, qui cette fois a décidé d'amener son chaman dans ce... Un chaman assez... Honnêtement, c'est presque le paquet de base pour tous ces paquets. On dirait que... Ben, on voit que c'est un nouveau joueur. Si c'est un nouveau paquet, ça peut nous réserver des surprises. On peut voir des trucs qu'on ne s'y attend pas. Mais en même temps, c'est le paquet de base. Ouais. On verra justement comment il pourra répondre son deck et il devrait se donner... Peut-être que justement, il n'y a pas de coach pour l'aider, mais... ça valait la peine au moins de mettre justement les cartes Wild qui sont revenues, qui sont gratuites, qui pourraient le permettre peut-être de compléter ces paquets de base. On verra ici, la 2-1 ici qui sera facilement contrée par la dague du voleur. Mais il va par exemple, RPG va se prendre quelques dégâts pour faire ça.
Mais avec la main qu'il a, il va pouvoir bien répondre. Il va pouvoir, je veux dire, il y a un beau tempo qui s'en vient pour lui. Du côté de Lucifer Dant, ça va être un tour un petit peu plus mort, à moins qu'on déciderait d'utiliser la pièce, d'utiliser le coin pour pouvoir aller plus rapidement. Mais je pense qu'on va y aller avec le pouvoir. Bon. On va essayer sur la défensive. On met des totems en espérant justement avoir des totems d'écrit de pierre comme ça qui ralentissent la partie, qui te permettent de survivre un peu plus longtemps. Et si c'est intéressant, on aurait pu aller chercher tout de suite le Enchlantog qui aurait probablement mis une meilleure menace sur le board que ce qu'on voit actuellement. Malgré que l'on prenne possession du board, mais le totem 02 n'était pas vraiment une grosse menace. Intéressant. Ici, on a décidé de ne pas utiliser la charge. Je pense que c'est une erreur aussi du côté de Lucifer qui voulait probablement, ne s'est pas rendu compte qu'il aurait pu au moins attaquer Visage si c'était peut-être le but. Ben. Et on sort une wildcard, si m'en va bien, Shaku le collectionneur. Qui va rajouter les cartes de la classe de l'adversaire dans la main de notre joueur. Ouais, exactement. Donc c'est une carte ça qui est revenue dans le standard pour une durée limitée. Un X ici. Ouf! Sinon, je pense que je comprends qu'on en a deux en main. On serait préférable. En même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il peut faire, mais ça aurait peut-être valu la peine de passer et d'attendre une plus grosse menace, ou du moins d'attendre que Shaku soit sorti de l'ombre. Ouais, c'est sûr que je t'attaque. Ben, il a essayé de s'attaquer à ce qu'il pensait être la plus grosse menace immédiate. Sauf qu'il y a des choses comme le malfroid des barrières. Et tu lui donnes provocation, ce qui va le protéger. Ne savais pas. Si j'ai un conseil à donner ici, toujours préférablement d'attaquer par exemple avec Shaku quand on sait qu'on va l'utiliser en début de tour. Comme ça, la carte qui nous vient en main pourrait être utile. Bon, dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, c'est voilà. Et ici aussi, là, une autre tournure qu'aurait pu prendre RPG dans son tour, c'est-à-dire de juste déposer l'Enchantog. Il n'avait pas nécessairement besoin d'aller plus aussi large sur le board et d'utiliser sa dague pour le faire grandir pour une 4-4. Ici, on n'aura pas le choix. On va jouer très défensif du côté de Lucifer. J'ai comme l'impression... Ah non, on va jouer juste ça. OK. OK. Bon, il veut essayer de jouer défensif, mais on dirait qu'il n'a pas vraiment la main pour. Ici, là, écoute, ça va très bien pour RPG. Je pense qu'on n'aura pas vraiment de problème à continuer à s'imposer. Justement, c'est une bonne idée de jouer juste une grosse carte. On peut zap et après ça, trader avec une des cartes. On va y aller face. Encore là, je ne comprends pas pourquoi il n'utilise pas sa weapon. Il pourrait déjà avoir une 5-5 avec le Hedgehog s'il avait bien joué ses cartes. Ça ne va pas l'empêcher de gagner. On a reçu une fontaine errante avec vol de vie, ruée et furie des vents. Ouais, c'est très 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 bon comme carte, mais on n'aura pas besoin. Il va peut-être être utilisé, mais je ne sais même pas si on va se rendre au tour 8, pour être vraiment honnête avec vous. Ouais, parce que théoriquement, à ce moment, on a l'étal au prochain tour si on utilise... Soyez oublié qu'il y avait les provocations. Ancestral Healing, Ancestral Healing. Non, il faut que tu... Bon, ben on vient de le perdre. Ici, on aurait pu se permettre, si on aurait utilisé Ancestral Healing, on aurait pu garder cette créature-là sur le jeu. On fait ce qu'on peut, mais des fois, on connaît pas exactement ce qu'il faut et ce qu'on doit faire. C'est triste parce que même le deck de base de Shaman peut être puissant dans de bonnes mains. Parce que Shaman en général c'est assez puissant tout simplement. Et on va y aller pour le létal si le compte est bon. Hey, I got you, friend. Je pense qu'on a mal joué. Parce que si, attends, ça veut pas dire qu'on l'avait là. Ah non, on l'avait plus là parce qu'on avait plus le Enchantog. Ouais, ce qui était... Ça représentait ça, le deck qui manquait. On vise au vide pour une seconde de plus, mais...
on pourrait s'attaquer nous-mêmes. Ouais. Il pourrait rouler le totem, rouler celui de Spell Power, s'attaquer avec Frost Shock et gagner. Pas gagner, mais bien s'éliminer. Mais bon, ouais. On va peut-être essayer de jouer des cartes. Parce que quand même, au bout de la ligne, là, le plaisir ici, c'est de jouer des cartes. Hein? On va s'entendre avec ça. Là. On n'est pas dans les Grandmasters ici, c'est pas le but. Le but, c'est de s'amuser, de découvrir, de jouer des cartes, de bien s'amuser. Ouais. En tout cas, on l'a gelé et on appelle un totem en espérant avoir Mais ce sera pas assez, mais quand même. Ouais, c'est une bonne volonté. Il peut pas lancer la fontaine errante et juste se débarrasser de ça. En fait, il peut pas parce qu'il n'y a pas de place sur le board. Ah oui, on est à cette créature, en fait. Et la partie est finie. Est-ce qu'il amène donc le match, la victoire à RPG Pro Gaming des CFP du Riverain? Il gagne donc ce match 2-0 contre Lucifer Dawn du Collège de Shawinigan. Voilà déjà donc pour notre premier match entre ces deux formations. On aura un deuxième match là, donc dans une quinzaine de minutes. Mais avant, peut-être décortiquer un petit peu ce match qu'on vient de voir, si tu le veux bien. Je pense qu'on peut résumer. Lucifer et toutes ses parties de la saison en général avec une phrase assez simple. C'est bien beau de la volonté, c'est bien beau de vouloir participer. Il faut quand même essayer de gagner. Il y a beaucoup de travail, ces decks. Il faut qu'il essaye au moins de ramasser des decks, au moins de terminer ses decks, déjà les tutoriels, tout ça. Peut-être même d'ouvrir quelques paquets. On va peut-être avoir une légendaire, il va peut-être avoir une bonne carte, ou au moins utiliser les wildcards. C'est des cartes gratuites qui peuvent t'aider à te sortir du trou. Oui, tout à fait d'accord. Et on va quand même donner l'étoile à RPG Pro Gaming, qui quand même, j'ai bien aimé sa version draw, qui était très intéressant, qui va gagner donc ce match-là. Quelques petites erreurs aussi de son côté, mais c'est normal, on en fait tous aussi, mais c'est en jouant, c'est comme ça qu'on apprend, et en réécoutant par exemple ses matchs, etc. avec le coach, ça peut nous aider. Sur ce, Charles Darat, je vais céder l'antenne à l'écran timer, au timer. On va passer à l'écran timer parce qu'on se revoit dans une quinzaine de minutes ou peut-être moins à cause de 5 minutes de décalage pour vous. Ouais. Donc, on se revoit bientôt pour le prochain match entre. Trifluor et Delta. Donc, Trifluor, si je ne m'abuse, de Shawinigan aussi. Delta, lui, qui fait partie, on ne va pas dire n'importe quoi. Delta du Cégep de Granby, donc qui sera donc le prochain match. Ne manquez pas ça dans le tournoi de Hearthstone de la LCA. À tout de suite. Au revoir.
As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan. A plan with you and me. Was it tearing up my own dream? Breaking me down to my knees. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? I'm not afraid to
Filles et garçons, re-bienvenue à ce tournoi de la LCE de la Ligue. La soirée Hearthstone. Je suis Ragok et je suis accompagné de Charles Darat. Rebonjour, rebonsoir Charles. Et rebonsoir François. Et pour le match qu'on va avoir, ça va être Delta contre Trifluor. Oui, Delta. Deuxième match de la soirée, comme tu le dis, Trifluor qui est du cégep de Shawinigan et Delta du cégep de Granby. Et placez vos bêtes, placez vos mises. Qui de ces deux joueurs, qui sont de bons joueurs, qui ont des decks très intéressants, qui de ces deux qui vont gagner? Delta qui a quand même une... J'avoue que je penche un peu vers lui. Bon, il est légendaire. Il y a des decks bien développés, bien méta. J'ai hâte de voir justement comment il va les jouer, mais en même temps, on va voir comment Trifluor aussi va tirer son épingle du jeu. Justement, si on parlait des decks. Ça va être Shaman contre Druid, justement, le Shaman roi de l'air, qui est un deck qui a l'air d'être basé sur les minions, les kites. Les minions, t'as beaucoup de trucs de Evil, le Evil Caldera, le racableur genou que je déteste, et le Totem Evil. Tandis que de l'autre côté, pour la druide, c'est un druide de kite. Oh oui, car en effet, tu as raison, c'est commencé. Je me demandais de où tu t'en allais, je me disais, ben quoi, ah bon Dieu, il sait déjà qui va jouer un contrôle. Ben oui, le match est commencé, donc bon deuxième match à tous. Je vous rappelle que vous écoutez la LCL, les soirées Hearthstone. Donc tu disais Shaman contre... et je te laisse continuer. Et on va avoir un Shaman justement avec la corruption des eaux. On essaie d'avoir 6 cartes avec Trigger pour avoir le cœur de Virnal. Le Virnal, c'est déjà important. Et ça commence déjà assez vite. On a des abeilles partout et des gobelins avec des rats. Fait intéressant. Donc, moi, j'étais pas là la semaine dernière. Je n'avais pas beaucoup regardé justement les decks méta avec les cartes wild qui sont maintenant dans le standard. On peut remarquer dans le Quest Druid, une des choses, des modifications, c'est qu'on a entre autres Mikun, le Forgotten King, qui lui a une belle condition qui peut être remplie justement avec lorsque la quête sera complétée. Mais sinon, à part de ça, c'est assez standard, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté grand-chose de différent. Par rapport au, si j'essaie de voir, là, on a rien de supplémentaire vraiment. Je vois qu'on a un Elysiana ici pour gagner peut-être un petit peu de temps. Côté on a Shaman. Une carte de chaque côté. Ouais. Et la carte justement de la druide est presque terminée. Justement, si elle finit son tour maintenant ou en utilisant seulement un cristal. Et comme je le dis, elle vient de terminer la carte. Et on a l'alarme d'Osirion. Pour avoir un passif. Avec le choix des armes, combine deux effets. Toutes ces cartes que tu dois choisir, tu as deux effets qui sont en même temps. Et de l'autre côté, on va avoir un autre cri de guerre, justement, et on va terminer la quête pour avoir le cœur de Virnal. Quand même assez bon d'avoir un truc simultané de même. C'est... Et on souhaite la 105, justement, parce que... Ben, bon Halloween, bonne 105. On a ici quand même quelque chose qui est assez... habituellement, dans ce match-up-là, on a... c'est un peu en faveur du druide. Par contre, justement, les quêtes se finissent à peu près pareil. Là, une différence, justement, le druide ici a réussi à finir au tour 4 sa quête, qui est habituellement là, de base, là, quand on n'a pas, par exemple, de Innervate, on n'a pas le coin, on va finir plus au tour 5. Et après ça, c'est à partir du tour 6 qu'on peut utiliser notre héros. Mais ici, on a réussi justement les deux à finir à peu près au tour 5. Et je regardais un petit peu le Shaman, justement, je me disais, est-ce qu'on a mis de nouvelles cartes là-dedans, mais il y en a pas actuellement, il n'y a rien là, vraiment qui vient du Wild. Il y a non, la Barista Linchen et la Barista, c'est une carte du Wild. Non, ça Barista, c'est quelque chose de récent. C'était en standard déjà, ça restera en standard. Donc la Barista, c'est toujours là. Il n'y a rien qui vient de... Ouais, non, je regarde la liste comme il faut. Là. On continue de renvoyer le cœur de Virnal pour avoir beaucoup de triggers. Et on fait ce qu'on doit faire ici. Delta ici doit prendre... Plus la partie va s'étirer,
plus il rentre en faveur du druide. Donc, c'est important pour lui en ce moment d'essayer de mettre beaucoup de pression. Et là, le dommage qui est mis, c'est intéressant, c'est qu'il a Shudderwalk dans ses mains. Il va pouvoir aller chercher le dommage un petit peu, justement, qu'entre autres, qu'il a infligé avec le Life Drinker. Ici, ça, par contre, si c'est intéressant, on a un board assez menaçant du côté Trifleur, mais on a peut-être, on a probablement une réponse. On va aller voir ce que va nous donner ici. Et déjà, la première carte, Lightning Storm, qui va probablement être utilisé. Et pourquoi pas? C'est sûr que là, ça dépend si on veut être. Moi, je pense que le Volcanic Burst, c'était le choix à faire ici, sauf qu'on sera assez overload. Hein? C'est ça le problème ici. Probablement qu'on va l'attaquer à 4-3. C'est ce que j'ai dit, on balance les deux. En fait, non, c'est ça. On va jouer le Storm. Pourquoi le Storm? Je vous explique ici pourquoi le Storm a été joué en premier de la part de Delta. C'est qu'il y a une chance que le Storm fasse 3 dommages. Si c'était le cas, il n'avait pas besoin nécessairement de jouer le Spark ou l'attaquer le Spark directement. On a une réponse ici immédiate de Triflor. Et là, justement, on va jouer avec seulement 6 mana. On a une bonne solution. On a quand même ça ici qui est quand même intéressant. Et c'est drôle qu'on met cette carte-là, Desert. C'est parce qu'on va faire un Evolve? Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir la mutation. Ouais, voilà, c'est vrai ça. Et je disais qu'il n'y avait pas de carte Wild, mais là, voilà une. Evolve qui ici est revenu et ça c'est je savais pas ça rend la chose super intéressante ici. Ça me rappelle évolution instable, t'en rappelles? Oh mon dieu, guérison de 12. Oui, ça c'est une carte justement qui soit tu te guéris de 12, soit tu vas mettre une 6-6 stunt. Évidemment, avec la quête terminée, on a les deux et ça permet un petit peu de garder un peu. Mais là, on a un board très, très menaçant ici du côté de Delta, que ça va être très difficile. Et surtout, si on réussit bon, à aller chercher, on n'en a pas dans le deck, mais si on va chercher par exemple un Bloodloss, hein, on verra, on a un autre Evolve ici. Et là, regardez, on va même pouvoir réattaquer avec Grommash. Et on a Vol'jin et... Ma carte préférée de Rastakan, wow. Craquois la grenouille. Wow, là, on est allé jouer. Con devient vraiment c'est une 7-7. Ça te redonne 10 de mana. Ça te redonne 10. C'est comme un genre de. Tu mets une 10 de mana pour gratuit, puis en plus, ça te heal, ça te régénère de 10 avec de l'armure, et ça te permet de jouer un autre tour au complet. Ça te donne un tour supplémentaire, carrément, en plus de donner 10 de vie. Vraiment, ça rend la chose extrêmement puissante. Ici, on va décider d'y aller comme ça. Est-ce que ça va être assez pour stabiliser? Ça m'étonnerait. J'ai comme l'impression que si on va jouer Earth, on va jouer le Hero Power, on va jouer le Life Drinker, puis probablement aussi le Mind Control Tech. Peut-être le Mind Control Tech en premier pour voir qu'est-ce qu'on va aller obtenir. C'est ce qu'on fait. On va aller chercher 2 cartes. Hop! Et on ramasse. Oh, ça va faire mal. On envoie le poids. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce que manquer... ça va l'achever? Non, il va manquer 1 point de vie. Ah, ça aurait été beau d'assez, mais... Dream Petal Floris. Au prochain tour, il n'y a rien qu'à envoyer le Carniflore, le Shadow Walk. Et c'est presque ça l'infini grâce à toutes les critères qui ont été faits dans le combat. Oui, on a déjà on sait qu'on a déjà 2 Life Drinkers, donc ça. Il faudrait vraiment. Là, ben, on va voir ce qu'on pige, on sait jamais. Oh! On est sauvé par la cloche! C'est pas fini, malgré que j'ai comme des doutes, que j'ai comme l'impression qu'on va quand même trouver le létal ici, là, probablement. Que, ben, c'est, faut quand même passer à travers ça ici. Là. Ouf, c'est avec pas le box fini, mais ça a pas l'air d'être trop loin. Attendez, là, si on compte bien comme il faut, on va pouvoir Shudderwalk jouer 2 fois. Oui, c'est terminé. Ça, double Shudderwalk, c'est fini. Est-ce que c'est fini? Attends, ça me représente 6, ça représente 12. Il faudrait quand même qu'il y ait, si je ne m'abuse, ça représente seulement 12 Shudderwalk. Il faudrait quand même aller chercher 1. Fait que ouais, on est correct, je pense. Ben, à cause de tes effets, ça peut être n'importe quoi. On peut avoir une surprise. Non, c'est ça. Il manquait 1 de dommage, si je ne m'abuse. Oh, ça, c'est vrai que si on n'a pas attaqué... Non, je pense qu'on est correct. C'est... Ouf, ça rappelle dangereux, là, parce que ce qui attaque ici... Là, 1 Life Drinker, 1 autre Life Drinker, il y a 2 Life Drinker. Et c'est... On est déjà rendu. Pourquoi il y a un effet de Line Drinker et non 2? Parce qu'on y retourne. C'est... Bon, il fait tout dans l'ordre.
il peut même... Non, l'ordre est random. Ok, là, voilà, voilà. Ok, non, c'est ça. Comme je disais, il manquait un, mais il a décidé de la façon que c'était fait, c'était bien... C'était donc bien calculé de la part de Delta, qui avait bien traqué donc, tout ce qu'il avait joué. C'était donc bien, comme je l'avais dit, manquait un après Shadow Walk, parce que Shadow Walk était exécuté deux fois ici. Et donc, la première victoire, la premier match va du côté de Delta, donc qui gagne avec son chaman. J'ai comme l'impression ici que Triflor reviendra peut-être avec son double. En tout cas, je crois que c'est le meilleur jeu là, pour lui. Là, si je regarde les decks, là... Cette partie, ça a été le chaos de juste des... On a vu des cris de guerre, des cris de guerre, des cris de guerre, des cris de guerre. Il manquait juste Leroy Jenkins. Non, c'est vrai, mais... Leroy Jenkins, ça, c'est une charge. J'ai confondu. Non, je pense qu'il y a un cri de guerre aussi. Ouais, le cri de guerre est désavantageux pour toi. Mais quand même, donc, bien exécuté du côté de Delta, qui, avec son expérience, qui est ici justement a bien calculé et a bien exécuté cette partie, pas vraiment d'erreur que j'ai vue de son côté. On va venir, justement, Delta va jouer la quête, va jouer le quest druide et va affronter le quest priest ici. Quest priest, peut-être avec les nouvelles cartes. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui l'amène intéressant? On a le retour des light bombs. Ça, c'est très bon ici du côté du priest. Qu'est-ce qui nous a ramené là-dedans qui est intéressant. Oh, Zerek, Cloning Gallery, c'était encore là, par contre. Il y a un Ezoth, il y a Emperor Torezan, c'est comme un big priest, un petit peu d'une certaine manière. Ça va être intéressant ici, j'ai aucune idée de ce qui va arriver, j'avoue que j'ai jamais vu ce match-up-là encore. Ben, si tu regardes les quêtes, on a l'alarme d'Orisian qui était ce qu'on a vu, et on a le scénario qui va arriver dans la main du druide, qui va pas être utile tout de suite, mais ça va être utile plus tard. Et de l'autre côté, on a l'œil de l'obélisque, carte que je n'ai tout simplement pas vue encore, mais il faut être assez chanceux pour la recevoir. Mais c'est rendre 15 points de vie, ça va peut-être être dur si t'arrives pas à sortir les cartes. Mais ça va tout simplement dépendre de ça. La carte du druide semble être faite pour la fin de partie. Tandis que la lame de Syrian, c'est une quête assez rapide à faire si tu fais pas de gaffe. Donc, on va réussir à y aller à tour 4. Donc, au même niveau tout à l'heure, on a décidé de la jouer avec le coin, si je ne m'abuse. Ouais, le coin a été joué de cette manière-là au début. Un masque hystérique ici. Oh! C'est étonnant ça, quand même. Oui, ça élimine la carte. Est-ce que ça ne serait pas plus utile plus tard? Ça, on verra. On va essayer d'aller piger en utilisant le rat qui va aller éliminer en même temps, mais va garder quand même. On se rappelle que Reborn ramène la créature avec un après les effets de ta carte. Est-ce qu'on va l'utiliser? On va en utiliser deux. On va cycler. Hein? On va utiliser ces cartes-là pour aller un petit peu plus loin dans notre deck. Et je vous dirais là, qu'avec la main actuelle de Delta, ça va être très complexe pour Trifluor. Surtout que une des choses à savoir lorsqu'on affronte un prêtre quête, c'est si vous n'avez pas besoin de le faire, n'attaquez pas le prêtre en début de partie parce que il va compléter sa quête avec le nombre de points de vie, que ce soit à lui ou à une créature, qui va réussir à régénérer, à healer, donc à guérir. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que justement, là, en ce moment, sa quête n'est pas avancée. Il va être obligé, en tout cas, pour essayer de continuer à compléter, il va healer un adversaire, justement, pour essayer d'avancer un petit peu sa quête, malgré tout. Oh, ça va faire mal. S'il y a des météores, il y a le choix. Il y a le choix des armes, comme on dit. Ironiquement, considérant le nom justement du deck, mais il y a le choix des armes. On va jouer ici très agressif et c'est le choix à faire pour Delta. Va décider d'utiliser sa régénération pour il est l'Oasis Surger. Et ici, tu sais, je vous parlais tout à l'heure et plus j'observe, je pense plus on a avantage du côté de Delta à terminer la partie le plus rapidement possible. Et là, on est déjà à une seule carte de chaque dans le deck. On a vu qu'Elise, elle était activable maintenant. Donc ça veut dire que si on pige, par exemple, un Zephyr ou quelque chose comme ça, ben on va pouvoir la jouer. Et on a quand même réussi à dealer. On garde un board solide.
ça regarde pas très bien pour Trifluor. On se dégonne un tour, c'est... Malheureusement, c'est un deck de fin de partie contre un deck de début de partie. Mais pas tant. T'sais, le druide, il faut quand même qu'il finisse sa quête. Si on est très agressif, il y a de la misère à la finir ou il va avoir pris trop de retard pour gagner la partie. Mais là, ça va super bien. Je veux dire, Delta a fini sa quête au tour 4 et a été l'agresseur là, depuis ce temps-là. Et il a une main pleine. T'sais, c'est pas comme s'il vidait sa main et il n'avait plus rien à jouer. Là. Il y a encore, regardez là, le nombre d'options en main. C'est quasiment. Ça devient plus difficile. Là, de ce point-là. Voyons honnête, la lame de Sirian, c'est pas la quête la plus facile. C'est pas la quête la plus difficile à faire. C'est une des plus simples à faire comparé à celle du prêtre où il faut que tu puisses guérir bon, en même temps si tu prends des dégâts. Et, oh mon dieu, 8 dégâts, ça fait mal. Ok. Et là, on a quand même des réponses hein, en main. Là, on a quand même deux Plague of Death qui vont éliminer toutes. Mais là, ici, je pense que ça va nous donner l'étal. Théoriquement, Zephyr nous donne silence. Un mass de spell, un silence, ça va être avec le Spellbreaker. Je pense que ça se termine ainsi. Parce que je suis pas trop calculé, là. Oui, c'est ça, c'est terminé. Oui, c'est la fin de la partie. Voilà. Ouais. À remarquer ici, donc, Play of the Game, MVP, on va le donner à Zephyr, qui, ici, était venu aller chercher. Mais vraiment, Delta, qui donc gagne ce deuxième match, cette deuxième partie, et donc gagne son affrontement contre Trifluor. Belle partie de son côté. Et ici, c'est intéressant parce que vous avez vu un peu la mécanique de Zephyr, comment elle fonctionne. Ici, on avait une protection, on avait de quoi un peu se garder contre le létal. Et à partir du moment où vous mettez Zephyr sur le board, faut pas oublier qu'il ne prend pas en considération ce que vous avez dans les mains, mais il va prendre en considération ce qu'il y a sur le board de votre adversaire, ainsi que l'énergie de votre adversaire. Donc, c'est avec ça qu'il a calculé. Zephyr a été mis sur le board. Il a calculé que si il donnait un silence, ben il pouvait gagner la partie. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, il y avait même deux options. Il y avait Mass Dispel, s'il voulait, ou y aller avec le Spellbreaker. Il est allé avec le Spellbreaker et ça lui a permis, donc, de gagner cette victoire. Bravo, donc, à Delta, qui, avec cette victoire, va se hisser au deuxième rang, si je ne m'abuse, là, du classement, merci. J'en perds mes mots. Donc, actuellement, justement, le classement, les matchs sont c'est mené par Pop 22-57. C'est lui le premier actuellement qui a 3 victoires, 0 défaites. Delta qui vient de se placer donc tout de suite en dessous avec 2 victoires, 0 défaites. La seule raison pourquoi il y a Patarion qui est comme pas très loin derrière. Il y a un petit différentiel supplémentaire, je pense, parce que si je ne m'abuse, Patarion a perdu un match, tandis que Delta, à tous ses matchs, a gagné 2-0. Il a seulement joué 2 matchs, mais il les a quand même gagnés. Il mérite sa place de légende. Oui, en effet. Donc, voilà. Donc, c'est, donc, comme on vous disait, le top 3 actuellement. Pop 22-57 au premier rang. Delta suivi de Patarion. Pop 22-57 qui, par contre, a un match en poche. Donc, ça sera surveillé dans les prochaines semaines. Donc, voilà pour cette soirée de Hearthstone de la Ligue Cyberespoir. Ça fait un plaisir de vous accueillir. Merci, Charles, d'avoir été là avec moi ce soir. Merci beaucoup, François. Ça a été une soirée intéressante, des matchs assez rapides, mais quand même assez fun. Oui, ça a été quand même deux premiers matchs qui a été plus axé sur les decks un peu plus de base. Et le deuxième, justement, on a eu vraiment un affrontement digne de Titan avec deux line-up qui étaient justement beaucoup plus méta, qui rendaient justement la chose très intéressante. Revenez-nous donc la semaine prochaine pour d'autres matchs de la suite de ce tournoi de Hearthstone de la Ligue Cyberespoir, qui, je vous rappelle, qui est une ligue inter-école, secondaire et cégep. Demain, c'est la soirée Overwatch qui se déroulera donc à partir de 19h, si je ne m'abuse, avec vos animateurs Kujibo et Susu. Donc, ne manquez pas ça à partir de 19h. Et encore une fois, je te remercie, Charles. Et je voudrais remercier aussi à la régie Marie-Pierre, Lady MP, qui a fait un travail superbe, à notre
Arbitre de ce soir, Power Sentry, Antoine, on le remercie beaucoup et à toute l'équipe, évidemment, de la LCE. Je vous souhaite une excellente soirée et le mot de la fin est pour toi, Charles. Comme d'habitude, le mot de la fin, ça a, j'ai rien à dire cette semaine. Simplement, ça a été des matchs rapides. Et faut toujours faire peur aux faut toujours avoir peur des chamans parce que on sait jamais quel genre de totem ils peuvent sortir. Merci beaucoup sur ces beaux mots. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Thank you.